C'est bon? C'est bon. J'allais dire ok, salut les guerriers, mais ça c'est ton truc, je vais te le laisser. Bah non, salut les guerriers, faut le dire. Non, pas le ok. Ah, non, bon. Mais c'est parce que moi j'ai le ok. Ah, ouais, ok. C'est pas drôle. Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, petite vidéo training. On est à One Fitness Club La Madeleine. Je sais pas s'ils vont nous laisser rentrer gratuitement aujourd'hui, Inch'Allah. Voici nous. Dans tous les camps, on le place pour toutes les fois où ils nous ont laissé rentrer gratuit, ils méritent. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une séance où je vais bencher. J'ai repris le bench bar et j'ai passé une grosse perf il y a pas longtemps que j'avais jamais passé de ma vie. Mieux Brutus? Pas mieux chargé. Arrête, ils vont y croire. Je rigole. Donc non, pas mieux que Brutus, mais après, il est 30 kilos de plus que moi. Brutus, c'est compliqué à aller concurrencer un mec qui fait 30 kilos de plus que toi. Et 30 cm de plus. Se dire que je talonne Brutus qui fait 30 kilos de plus que moi, c'est quelque chose. Et 30 cm de plus en taille. Et aussi dans le slip. On est d'accord. J'ai vu ton zizi, cousin. Hein. Je fais pas honneur à la famille. Je vais m'énerver. Hein. Donc objectif d'aujourd'hui, c'est 170 x 3. Et si j'arrive à passer x 4, ça sera la même perf que Brutus. Le x 3 est passé, je l'avais déjà annoncé sur Insta. Miracle, c'est la première fois de ma vie que je fais 170. 70 x 3 avec un PDC si bas. Et aujourd'hui, on va essayer de les repasser. Si je les repasse, c'est un miracle. Donc les gars, 70 x 3, il n'y en a pas beaucoup dans le fit game qui le font. Donc suivez Pimous, voilà. YT. Ici, on triple le PR de Bazinga, au calme. Voilà. Pré-workout QNT. Je peux voir la marque? Elle est où? Elle est là. Elle est jolie. Petit pré-workout QNT, code 20%. Fitness Fusion sur le site QNT, n'hésitez pas. C'est un des meilleurs pré-workouts pour la congestion. Pas stimulant, vous pouvez le prendre le soir après le taf, il n'y a aucun problème. Donc nous on prend ça et on se rejoint juste après pour la séance. Ok, donc on est parti, on a réussi à rentrer une fois de plus, on nous a laissé rentrer. Donc là c'est gratuitement. Et notre directrice c'est Madame Lemaire, elle s'appelle. Donc si elle passe sur cette vidéo, merci beaucoup. C'est super gentil de nous avoir laissé rentrer. Et on va pouvoir faire une bête de vidéo et ça fait plaisir. Par contre elle a dit. Et où? On est à One Fitness La Madeleine. Par contre elle a dit faut arrêter de se masturber dans les douches Johanny. Sinon je vous laisse plus rentrer, donc on va faire attention. T'as dit quoi? Rien. Et je vais pas m'avancer devant les abonnés parce qu'après je vais me retrouver à ma mère, ça va être une pute alors que c'en est pas eu. Dis ma mère la pute si je fais pas les 170. Les off de Pimou c'est quelque chose. Hein. Je peux pas toujours filmer tout le temps. Non, il va être traumatisé. Échauffement articulaire à base de répétition 60, simplement. Par contre là c'est un échauffement, je vais pas commencer à faire l'échauffement articulaire et tout, c'est rien. Je vais m'échauffer pour le bench, donc j'ai pas besoin de tout échauffer. Arrête de leur donner ces vieux conseils. Échauffez-vous les gars. Et quoi? Échauffez-vous les gars. Ouais, échauffez-vous. Parce que lui il prend des produits. Échauffez-vous les jambes si vous voulez. C'est du bench, faut arrêter de déconner. Non mais toi c'est par rapport aux produits que tu prends en fait. Ton muscle est déjà bien chaud. Si vous avez des perfs à faire et que vous commencez à vous fatiguer sur des échauffements et des trucs, vous allez perdre de l'énergie. Vous regardez les plus grands power, tu regardes Lia, tu regardes Panache, machin, ce qu'ils font, c'est ils vont faire le soulevé de terre, ils vont aller au soulevé de terre, ils vont monter progressivement en faisant toujours 3-4 reps pour pas se fatiguer. Ils montent et ils arrivent jusqu'à leur charge maximale. Au niveau du muscle, au niveau des articulations, c'est important, la mobilité, tout ça. Plus gras comme un cochon. Mon frère c'est huilé, y a pas de t'inquiète. Ah là, Pimous. Ouais, je suis. Ils sont huilés mes articulations. On va monter progressivement hein, de 40 en 40. Donc là t'es déjà. Montée progressive et contrôlée, très important, d'accord. Deuxième série, 100 Johanny, kilos. Je sais qu'il a envie d'exploser son crâne dans le mur quand il voit faire ça. Bah, c'est parce que je me dis, il y a des débutants qui le voient faire et pas bon, tu vois. Ne faites pas ça si vous êtes débutant. S'il y a des power avancés qui vont regarder la vidéo, ils vont se dire c'est bon, ça va, s'il a l'habitude, il n'y a pas de problème. T'es débutant, tu fais ça, t'es un coup, tu te blesses, c'est sûr et certain. T'as l'habitude, 100 kilos, c'est une charge que je maîtrise en slip, je peux me le permettre. 140, je les aurais pas mis d'un coup, par exemple. En fait, vu que t'as un PR à 180, c'est comme si. T'as compris. Un gars qui avait un PR à 100 kilos, il s'échauffe à 50 kilos, 40 kilos. T'as compris, ouais. C'est exactement ça. C'est une question de rapport puissance et force, c'est simple que ça. Comme vous voyez, les deux disques jaunes là-bas, il y a DJ qui a fait un PR juste avant. Bâtard. Je ressors d'une séance crossfit. Dis-leur d'aller voir la séance. Une question, je me dis est-ce qu'aujourd'hui je fais 170 x 3 ou est-ce que j'essaierai pas d'aller doubler les 180? Honnêtement, je suis chaud d'aller tenter de doubler les 180 ou 175 doublés. Quoi qu'il arrive, c'est impressionnant. 170 arrive, x 3 ou 180 quoi. X 2, mais ton max PR il est à 185. Ouais, mais quand j'ai passé 170 x 3, je sentais que je pouvais aller chercher 190. Tu vois. Après, il y aura d'autres vidéos sur la chaîne, les gars. Vous activez la cloche, il y aura d'autres pairs. Moi, je pense que je vais tenter 180 x 2 aujourd'hui. Okay. Je pense que même pour le titre de la vidéo, ça peut être mieux. Donc, on va tenter 180 x 2 aujourd'hui. Okay, je vais même pas faire x 1. Non, on va rester sur 170.
170 x 3, si je suis chaud, je mettrai une 180 derrière, histoire de. Là, il est confiant, début de séance. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des coudières SBD. N'est-ce pas Solal, qui veut passer des PR à 185 meilleur que moi, mais qui n'est pas capable de faire du raw bench. Ici, on a passé 185 avec rien sur nous, juste un slip, c'est tout. Mais je serais curieux de te voir avec toutes les combinaisons possibles pour éclater tes perfs au bench. 1000 likes, on achète absolument toutes les combinaisons possibles, même un string en dessous si vous voulez. Et je tente les 200 kilos avec un slingshot, tenue et compagnie. Slingshot, j'en ai un ici en plus, je crois. Ah ouais? Ouais, il en a un slingshot, je crois, Ragnar. Vole-le. Mais je vais pas le faire ici, gros, ça ne me servait à rien. Bah, vole-le. Ça serait une vidéo. Comment ça? Bah, vole-le. De l'eau, franchement c'est de l'eau. Avec les coudières c'est trop facile. Vraiment, hein, ça aide vraiment, c'est pas une vanne. Donc tu fais encore des placements produits, on en a marre de voir des placements produits. On n'est pas du tout en placement avec SBD, si pas sur cette vidéo. Envoyez-nous des produits, je vous en conjure, j'en ai marre de payer 80 euros pour ça. On est retombé sur Ragnar, les gars, pour le duel de testo, rappelez-vous, face à Pimous. Il m'a dit pas 180, maintenant je vais le balayer, je crois. Du coup, là, qu'est-ce que t'as fait? Là, j'ai mis des 15 de crossfit pour que ça fasse plus beau. Je voulais pas que ça fasse plus petit, ça fait pas joli. Donc j'ai mis 10 de crossfit 15, ça fait 170. Le truc c'est que ça va faire beaucoup d'un coup. Je vais peut-être. Passer 160 avant. Non, j'en fais une à 170 pour préparer mon système nerveux. Je vais le préparer à l'effort, il va comprendre que là ça va être lourd. Je vais poser, je vais me reposer 3 minutes et ensuite je vais essayer d'en faire plusieurs. Ok, ça donne les temps de repos, ça va commencer à copier. C'est pas un programme, ça c'est un board. C'est pour la vidéo que je fais ça, je m'entraîne pas comme ça moi. Jamais de la vie, je fais des séries à 170, ça va pas, non? Ça va. Là, je vais la décrocher, mais ça va. Franchement, ça va. Ça va, c'est tout ce que ça te fait là. Il y a combien sur la barre? 170. 170, c'est bon, ça va. C'est un PR, je l'avais il y a 4 ans, gros. Maintenant, c'est bon, tu vois. Alors, ça va. C'est bon, c'est acquis. Une fois que c'est acquis, c'est acquis. Moi, je vais sortir d'une barre 240, je vais dire ça va. Il y a 170 là sur ta barre. C'est un PR qui est validé en fait. Il est acquis. Je l'ai passé sur une des plus anciennes vidéos de la chaîne. Et depuis, ça fait 3 ans. Il y a un moment, c'est acquis, quoi. C'est comme si toi, demain, je te dis, vas-y, passe 120, c'est acquis, tu vois. Ouais, ça fait pas peur. Ça va. Ça fait pas peur. Tu te mets en dessous, t'as pas peur. Même 130, t'as pas peur, normalement. Tu te dis 130, c'est censé passer. Alors, je t'ai connu, tu benchais 120 en PR, hein, quand même. C'est dingue, hein. Il a pris 20 kilos, il y a des bons produits, ce monsieur. Hein. Ouais, ouais. En fait, je suis malade, donc allez. Ça me fait peur. Attends, je vais utiliser les repères, gros, pour mettre les mains. Hop là. Il y a 3. T'es prêt? Ouais, moi, je suis prêt, vas-y. 1, 2, 3. C'est bon. Allez. Touche pas. Allez, t'inquiète. Allez. Yes. Parfait. Je savais que la quatrième, tu l'avais. Yes. Je pensais pas que tu l'aurais tenté la quatrième, mais je savais que tu l'avais. J'ai un morceau de dos qui est resté sur le banc, j'ai trop mal. Donc là, il y a combien là? 170. 170 fois 4. Ça veut dire Brutus, je le baise. C'est bon? Ah là, il fait 30 kilos de plus et je le baise quand même. J'espère que c'est bien clair. Et Solal? Je l'encule. Voilà, on fait tous bien, comme ça. La dernière, elle a aspiré mon âme, gros. Ah, je me suis dit, je suis sûr, il l'a, mais je pensais pas que t'allais la tenter. T'es un fou, gros. Tu me filmes. C'est maintenant ou jamais. C'est vous, les gars. C'est vous qui lui donnez cette force. 170 fois 4. Vous et les produits. 170 fois 4, c'est un PR à 180. Pas de enculé. Ah, dis t'es natif parce que j'arrive pas à dire que les produits. On rigole. 170 fois 4, c'est équivalent à PR à 190 quand même. Frère, t'as les 200 depuis longtemps. C'est juste que t'as trop peur de les faire. En fait, sur la dernière rep, j'avais plus de force dans les pecs. C'est le dos qui a pris le dessus. Je te jure que c'est vrai. Tous les dorsaux. C'est ouf de sentir le dessous là, même. Ça, il y a que les avancées qui arrivent à le ressentir. J'ai senti dos, lombaire, pec, quadriceps. Vu que j'ai bien poussé, c'est n'importe quoi. Est-ce que ça va être un banger cette je vidéo? Je suis trop content, gros. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça soit un banger? Abonnez-vous, cette vidéo. Likez la vidéo, commentez surtout. En pâle. Ah, les gars, 70 un max de commentaires, s'il vous plaît. Évidemment, hein, quand je dis Brutus, Solal, on est bête, c'est de l'humour. Ils le savent très bien quand ils regardent la vidéo, mais je le précise quand même. Je rigole. N'oubliez pas que Brutus. Non, mais surtout, moi je suis encore là. Il s'est passé des choses avec lui quand t'étais à Marseille. Je vais bien toucher son cul. J'ai bien aimé. Après, voilà, il a terre à 3,30 au soulevé terre, au squat, il me baise matin, midi, soir. Y'a qu'au bench ou parce que je suis un T-Rex, je peux aller le titiller. Tu regardes cette vidéo. C'est quand tu veux qu'on fasse un duel de bench. C'est quand tu veux. Prends-moi sous ton aile, je t'en conjure. Bon, 170 x 4, c'est validé. Je suis vraiment, vraiment, vraiment. Un enfant. C'est ma meilleure perf all time. Alors qu'à l'heure actuelle, je fais genre 85 kilos. C'est-à-dire que je fais 12 kilos de moins que quand j'avais fait. J'ai même plus d'excuses, frère. À l'époque, je disais ouais, mais je suis ça a été pour tout le monde, c'est terminé en fait. En plus, tu traînes avec des mecs comme Ragnar qu'on a filmé là tout à l'heure. Hein? Ça y est, c'est fini. Bon, Solal, du coup, tu m'excuseras. Tu manges pas à ma table dès que tu vas t'asseoir plus loin. Je mange pas avec toi. Il mange où? Genre, toi, quand t'as assis à la table, lui, il se met où? Lui, il se met à mes pieds, il nettoie les chaussures quand c'est ici. Voilà, Solal,
tu vas aller jouer à la dinette plus loin, déjà. Brutus, moi c'est Brutus maintenant que je vise. Maintenant c'est Brutus que je vise, j'en ai rien à foutre. On va arrêter de s'amuser, dire ouais, c'est bon, voilà. 85 kg bench à 170, ça équivaut à un bon 190, donc PDC x2. C'est, j'en reviens pas. Donc là on part sur hypertrophie, 140, je vais taper deux séries d'hypertrophie. Je ferai de l'incliné, des dips, un peu d'écarté pour me terminer, et ce sera une fin de séance. Maintenant que je travaille en force, l'hypertrophie c'est devenu vraiment secondaire pour moi. À partir du moment où j'ai passé mes perfs, après le reste de la séance c'est branlette land. Ah, parce que là sur tes derniers trainings, t'avais dit que t'allais faire plus de basket et faire full body trois fois semaine. Pas full body, mais j'ai dit que j'allais revoir mes entraînements. Et du coup là c'est bon, tu t'es décidé, c'est quoi alors pour cette année? Désolé, je suis malade, hein. Mais en gros là ce que je vais faire c'est que je vais m'entraîner 3-4 fois semaine. Mais dans mes entraînements ça sera plus full hypertrophie, en mode je vais faire les pecs, hypertrophie. Je vais venir, je vais faire une séance où je vais faire. Et pourquoi est-ce que je leur dis bientôt vous pourrez suivre mes séances si vous voulez? Non, j'ai hors de question que je vous dise allez vous faire foutre. Sérieux, sérieux. Merci. Voilà, je filme. Et voilà, il est fort et il est musclé. Non, là, c'est bon, je doute de toi. Là, entraînez-vous jusqu'à ce qu'il de vous, c'est fini, les gars. C'est... Il est chargé, point. Incroyable. Ça y est, je suis un power, regarde. Ça, j'ai fait de la force, je me transforme en power, ça y est. Je te jure que t'es musclé, je veux ce corps-là aussi. Même un corps comme ça, je signe. Avec le ventre comme ça? Ouais, balèque. Et il y en a plein dans les commentaires. Dites-moi si vous signez pour un corps. Vas-y, relâche le ventre. Pour un corps comme ça, qui signe? Moi je signe pas, frère, on dirait que je suis en salle de 3. Bon, vas-y, fais-les douter, contracte. Même lui là-bas il rigole, gros, il a raison. T'as un compte OnlyFans ou pas? Bientôt. Je veux bien souscrire un abonnement. C'est un street d'animal. Ah oui, monsieur, bench. Je mérite. 170 au bench, je peux crier même. Oh, si je fais ce que je veux maintenant. Non, tu cries comme ça, t'es une pute quand même. Bon, 170 x 4, je suis très satisfait de ma séance. Honnêtement, en toute honnêteté, je m'attendais pas à faire 170 x 4. J'ai passé la troisième, j'ai senti que je pouvais y aller. J'y suis allé. J'ai foncé tête baissée, c'est passé, j'ai eu de la chance peut-être. Actuellement, dans le fit game, à peu près 85-87 kg, je sais pas qui fait cette perf, à part des power. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, Solal, je l'éteins. Parce que monsieur, bench 180, avec des coups d'hier, faut me bouffer le cul maintenant. Voilà. Brutus, il fait 30 kg de plus que moi. Brutus, il met un soulevé de terre squat, ça y a pas photo. Mais au bench, je veux une revanche. Je veux une revanche. Et voilà, c'est tout. C'est les deux seuls que j'ai en titre de comparaison. C'est les deux seuls qui me font peur dans le feed game. Après les autres, il n'y a pas de problème. Je te coupe quand même dans ton arrogance. Est-ce que tu pas d'arrogance. Voilà, est-ce que tu peux rectifier un peu le tir? Parce que quand même là. Il n'y a pas d'arrogance. Au bench, en fait, j'ai travaillé pour en arriver là. Je suis fier de ma performance et je pense que j'ai de quoi être fier. C'est pas de l'arrogance que d'être fier d'avoir 70 x 4, c'est normal. Voilà. C'est surtout un petit jeu qui est entre Brutus et Solal. C'est aussi un petit jeu que j'ai avec eux, de qui va être le meilleur, etc. Si demain Solal m'éteint, il passe 200, je serais super content pour lui au contraire et ça me motiverait pour aller chercher plus. Moi j'aime bien qu'il y ait quelqu'un au-dessus de moi parce que ça me motive à aller chercher plus. Là j'ai envie de me branler et d'arrêter le bench. C'est aussi simple que ça. Là j'ai envie d'arrêter le bench. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. N'oubliez pas en description, vous avez tous nos codes sur tous les sites, tous les partenaires avec qui on travaille, on vous le répète souvent. On va vous casser les couilles à vie avec ça. Il y a Everjump, code FFD, vous avez 10% de réduction sur leur corde à sauter. QNT Fitness Fusion, 20% de réduction sur les compléments alimentaires, c'est important. Même si je les place avant, ça fait plaisir. Okay. Iron Meal, si jamais vous voulez des repas préfaits avec les calories écrites, etc. Code Fitness Fusion, c'est pareil, vous avez 25% de réduction. Nos programmes sur fitnessfusion.fr, si vous voulez être aussi fort que moi au bench, c'est le moment ou jamais. Prenez un programme personnalisé, vous dites que vous voulez 200 au bench et dans 3 semaines. Non, je rigole, faut arrêter de déconner. Mais voilà, si jamais vous voulez progresser au bench, fitnessfusion.fr. Moi, je pense que j'ai fait le tour, c'était Pimousse. Quoi, c'était Pimousse? Il se croit sur sa chaise. C'était Pimousse, il n'est pas là. Donc, c'était Fitness Fusion, force. Il fait tout seul, hein, parce qu'il veut pas le dire.